viennent ces théâtres vides? Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Simplement de l'absence de public. Brave la coque! Juste comme je monte les escaliers, voilà que je rencontre notre logeuse. Elle m'a encore fait un cadeau. Devine-moi quel cadeau elle m'a fait. Non, ne fais pas l'idiote, dis-le. Regarde, 2 billets de théâtre pour Faute. À qui la faute? Et pourquoi elle n'y va pas elle-même, cette vieille pie? Oh, sans doute qu'elle n'a pas le temps. Uniquement à l'État. Le cirque avec tout ce qui s'y rattache coûte 1 million. Plein? Pourquoi ne pas instaurer le théâtre obligatoire? Et nous, il faut qu'on l'ait le temps. Si chaque individu est tenu d'aller au théâtre. Voulez-vous dire par là? Je veux dire avec le public. Les choses prennent tout de suite une toute autre tournure. Comment ça avec le public? Je ne peux tout de même pas vendre le public avec. Mais je ne vais tout de même pas acheter un cirque sans public. Je veux gagner de l'argent, moi. Contrainte. Il n'y a que la contrainte pour contraindre notre public de théâtre à aller au théâtre.